This owl just woke up from anesthesia, and so to put the birds back, you have to still make sure that you stay safe as you replace the bird back into its kennel. Have the face pointing away from you so they'll fly backwards out of the kennel, and then you want to put their feet flat on the ground. So we're going to put the feet flat on the ground, facing forward, and then a little plump. Allons-y, joie. Wait. Non. Boum, boum, bing. C'est littéralement bon. C'est chiant. Aïe. Jambon à tous, c'est Adrien comme d'habitude. Et aujourd'hui, Husqvarna. Et non pas Husqvarna, Husqvarna, Vaskarnarma, ou je sais pas quelle connerie que j'ai entendu un peu trop souvent. Husqvarna. De son vrai nom, Husqvarna AB pour Aktiebolag. Je sais absolument pas si je le prononce correctement, je parle pas un mot de suédois. Aktiebolag ou SARL dans la langue de Gérald Darmanin. Ouais, j'en profite pendant qu'il a encore un poste, parce qu'après ça servira plus à grand chose d'en parler. Est une entreprise suédoise fondée en 1689, mais figurez-vous qu'avant d'être une entreprise, c'était une manufacture royale, un peu comme notre Saint-Étienne à nous. D'ailleurs, je sais pas si vous l'avez remarqué, mais le logo de Husqvarna, ce logo-là, c'est un canon vu de face. Eh oui, Jamy. Vous voyez même, il y a son petit guidon tout mignon avec ses petites oreilles toutes mimi, là. Eh oui. Toi aussi apprends des choses avec le French Grenier et réinvestis tes connaissances pour enfin pécho en soirée. Ce mois-ci en cadeau, ta propre encyclopédie à monter, sa couverture et la page de garde, 9,99€ chez ton marchand de journaux. Si ça c'est pas du marketing agressif, je sais pas ce qu'il vous faut. La marque est littéralement en train de te braquer la truffe, mon gars. Ensuite, on va la faire courte, à partir de 1757, Husqvarna devient une société privée. Elle se diversifie dans plein de branches, dont la fameuse branche qui nous intéresse, la branche armement. En 1959, tout fout le camp, la branche armement Husqvarna Waffenfabrik AB est littéralement détachée, puis coulée. Et Husqvarna va finir par devenir ce qu'elle est aujourd'hui, c'est-à-dire une entreprise qui vend de l'outillage et du matos de jardinage. Et depuis, tout le monde vient me faire chier à me parler systématiquement de tondeuse. Pardon. Fallait que ça sorte, là. Le coup de... Ah, je savais pas qu'Husqvarna, ils faisaient autre chose que des tondeuses et des tronçonneuses. C'est devenu un running gag de mon boulot. Ça me gonfle, mais d'une force. Aujourd'hui, on va parler des modèles monocoups de chez Husqvarna. Pas très connus, et pourtant, c'est un tort. Ils sont très très sympas. Avant 1900, on avait déjà des modèles monocoups chez Husqvarna en 22L. En 1908, apparaît la modèle 25 en 3220 WCF. En 1912, la modèle 35 en 3030 WCF. En 1915, la modèle 45 en 4570 Government. Et enfin, en 1926, le modèle 26 en 2520 WCF, qui sera d'ailleurs une des rares, très très rares appellations logiques chez Husqvarna. C'est comme chez Glock, ils en ont rien à foutre des armuriers français. Aujourd'hui, on va causer du modèle 35 en 3030 WCF. J'aime beaucoup le 3030, c'est très sympa. Mais comme je préférerais encore qu'on me carre un poteau téléphonique dans le fion qu'avoir à acheter une levillette sous garde dans ce calibre-là, Dieu merci, Husqvarna. Moins relou, moins cher, plus joli. Ouais, moins rapide, moins rigide et moins pratique aussi. On va y venir! C'est parti pour le titre. Donc, une 30-30, pour ceux qui savent pas à quoi ça ressemble, c'est vrai que je pense pas assez à vous montrer les cartouches. C'est ça. C'est une bouteille assez sympathique, très fine, très, très chouette. Moi, j'aime beaucoup ce calibre parce qu'il est extrêmement polyvalent. On peut vraiment faire des dingueries avec le 30-30. Alors, allons-y. Oh yeah. Très sympa. Alors effectivement, il y a quelques points légèrement sombres avec cette série de carabines, pas que celle-là évidemment, mais toute la série des monocoques Husqvarna. Je dis légèrement sombre parce que faut pas exagérer, c'est pas des points noirs non plus, ils sont pas totalement... voilà. Monocoque, forcément oui, c'est un peu plus long, mais c'est un faux problème, je vous en ai déjà parlé.
tout va dépendre de ce qu'on en fait. C'est vrai que pour du plinking décérébré, rapide, etc., ça va pas, c'est sûr. Mais pour du tir posé, détendu, précis, parfait. C'est parfait. On n'a pas besoin d'autre chose que d'un monocou pour du tir précis, de toute façon. Bon. C'est super doux, putain. Qu'est-ce que c'est doux. Alors, le verrouillage, est inexistant. C'est vrai que toute la série, des modèles en 22LR jusqu'à la modèle 26, tous ces modèles partagent une caractéristique. Il n'y a pas de tenon de verrouillage. Ils se verrouillent en butée sur la carcasse. Il n'y a pas de tenon ou que ce soit machin tout bidule. C'est une culasse très élégante, assez fluette. C'est des tout petits leviers en général. Il y en a plusieurs variantes. Il y a des leviers qui sont plus ou moins grands, des culasses qui sont plus ou moins fluettes. Il y en a qui sont extraordinairement fluettes. Parfois, ça fait peur même. Moi, j'ai souvenir d'une en 45-70 qui avait un levier ridicule et une culasse qui était extrêmement courte. J'ai regardé ça, j'ai dit non, mais moi je tire pas une 45-70 là-dedans, c'est mort. Manifestement, si. Mais ça fait que, on n'est pas super à l'aise en fait. On n'est pas forcément super à l'aise. Ce qui est complètement con en fait, parce que la balistique, c'est pas du chamanisme, c'est-à-dire qu'il y a quand même des règles absolues. Et une des règles absolues, c'est que les seules contraintes circulaires concentriques qu'on peut trouver sur une arme au moment du tir, c'est celle de l'ogive dans le canon. Mais en soi, la douille, elle tourne pas pendant le tir. Donc il n'y a aucune raison en soi, il n'y a aucune raison que ce levier finisse par sortir lui-même. Ça peut arriver sur des leviers extrêmement lâches, avec des ressorts de culasse très très faibles, que sous l'effet du recul, oui, la culasse puisse s'ouvrir à moitié. J'en ai jamais vu qui s'ouvre toute seule. Maintenant, là, c'est des armes qui ont quand même... Je vous garantis que le ressort est bien ferme. Donc, en fait, il n'y a strictement rien à craindre. C'est simplement une habitude qu'on a, effectivement, d'avoir des carabines qui sont extrêmement rigides, parce que souvent, elles sont sur système 98 Mauser. C'est aussi simple que ça. Alors, un truc assez chiant, c'est qu'elles ont... Mais je reparlerai de l'extracteur. Elles ont un extracteur assez raide, ce qui fait que c'est un peu compliqué parfois de passer par-dessus. Donc il vaut mieux loger votre bourrelet directement dans l'extracteur. Vous vous enquiquinerez moins et vous userez un peu moins votre extracteur. Je ne l'ai pas mentionné, mais il y a une sûreté drapeau qui est littéralement point pour point celle du Mauser 96. Sauf qu'il n'y a pas trois positions, il n'y en a que deux. Très sympa, très très sympa. Et de temps en temps, elles ont tendance à s'éjecter. Parfois, non, on se demande. Alors, pour le tir, il y a un certain nombre de trucs à prendre en considération avec cette arme et cette gamme d'armes en général. Premier point, j'aurais tendance à dire que pour le rechargement, deux choses. Un, restez cool sur vos charges. Évidemment qu'elles prennent les manufacturées. J'ai pas envie de vous dire qu'elles prennent les manufacturées chasse. Je l'ai fait, je l'ai testé, moi, sur celle-ci. Ceci étant, on sent bien que ça leur plaît pas. Que les charges un peu importantes, les manufacturées de chasse, les manufacturées un peu... avec des poids importants, etc. Ça leur plaît pas, ça se sent à une borne, et on sent bien qu'il y a des signes de surpression, etc., etc. Donc, rechargez, et soyez cool sur vos charges. Ensuite, un truc à noter, soyez attentifs à vos ogives, parce que les canons Husqvarna sont excellents. Excellent, vraiment excellent. Les aciers suédois sont excellents. Les canons sont super bien faits, mais ils sont super exigeants en contrepartie. Ce qui fait qu'en fait, vous allez par exemple, comme moi, essayer par exemple du 170 grains, puisque en 30-30, on peut vraiment partir de très bas et monter vraiment jusqu'à très haut. Vous allez prendre par exemple du 110 grains ou du 170, et votre canon Husqvarna, il va vous dire d'aller vous faire foutre, parce que lui, ce qu'il aime, c'est le 150. Et il aime le 150 avec une surface de contact très importante. Les canons Husqvarna sont casse-couilles. C'est comme ça, on n'y peut rien. J'ai essayé plein d'ogives, je n'ai de bons résultats qu'avec celle-ci, qui est une coulée... je ne sais plus si c'est Lee ou si c'est Liman, ça. Mais c'est une coulée plomb pur, avec une surface de contact la plus importante possible. Ce sera à vous de faire globalement vos essais pour voir ce que vos canons aiment. On va faire un petit peu de gong. Je sais pas où il est, mais il a volé. Bien propre. Alors mécaniquement, c'est excellent. Ce sont des queues de détente. Là, comme vous pouvez le voir, je suis vide. Ce sont des queues de détente assez dures. Il y a,
C'est marrant, il y a un tout petit gratté, un tout petit, je sais pas quoi, un tout petit quelque chose, mais qui est dans le dur. Et ensuite, ça part. Le lâcher est agréable, franchement. C'est un poil spongieux, mais on s'y fait facilement. C'est pas le départ spongieux du Mosin Nagant, vous voyez, par exemple, qui est une horreur cataclysmique. J'y reviendrai quand je ferai l'épisode sur les Mosin Nagant. Oui, il y en aura un, il y en aura même deux. Mais ça, franchement, celui-là, il est bien. Ergonomiquement, on est vraiment très bien dessus. Une caractéristique commune, c'est pareil, de toutes les Husqvarna Monocoque, à part vraiment les 22 qui sont les plus petits calibres. Mais même quand vous tapez dans les 25-20 ou les 32-20, elles ont toujours des canons qui sont quand même assez gros barreaux. Vous en trouvez en plusieurs versions. Ça, c'est la version standard qui est l'équivalent d'un canon mi-lourd. Vous avez un canon lourd et vous avez un canon extra lourd. L'extra lourd, à ma connaissance, ne se retrouve que sur le modèle 45. Et quand je vous dis extra lourd, c'est extra lourd. Hein. Le bousin fait 10 kilos. Donc ouais, on peut en trouver des sérieusement mastoc. Et donc, elles ont toutes tendance à piocher vers l'avant. Là, en gros, celle-ci est équilibrée là, à la hausse. Ce qui n'est pas extrêmement logique. Elle devrait être équilibrée au tonnerre. Donc elle pioche, ça pioche et c'est lourd. Hein. C'est pesant, vraiment. Mais ça fait aussi que le 30-30, on le sent pas des masses, quoi. Raté. Dommage. Donc ergonomiquement, disais-je, c'est génial. On est sur une bonne vieille demi-pistolet. Très très sympa, là on est vraiment bien dessus, c'est pas un souci. Les organes de visée, comme je l'ai dit, sont bien clairs. Esthétiquement, c'est des armes qui sont magnifiques, les bronzages sont très beaux, les marquages sont superbes, c'est vraiment très très sympa. Les bois sont assez simples, mais ils sont bien, franchement. Allez, on se fait un dernier coup, et puis on remballe, ah, compris. Putain, je me mets à faire de l'humour comme Néo, ah la vache. D'ailleurs, coucou à Neo035 si tu nous regardes. Je suis fan. Voilà. Pas de tout, mais je suis fan. Bon, les résultats en cible ont l'air d'être un peu anarchiques. Ça ne m'étonne pas trop, dans le sens où c'est vrai que moi, ma recette du 30-30 pour celle-ci, je l'ai faite quasiment en one shot et je ne l'ai pas améliorée depuis. Donc c'est vrai que bon, c'est une arme un peu médiocre dans mes mains, il faut reconnaître. En dehors de ça, c'est extrêmement sympathique et figurez-vous que je ne le ferai pas maintenant, mais nous allons nous retrouver la semaine prochaine pour une autre carabine Husqvarna, beaucoup plus délirante que celle-là. Je vous en dis pas plus, je vous dis à très bientôt, amusez-vous bien, tirez bien, merci beaucoup à tous d'être là, j'ai une commu super, n'hésitez pas à commenter, ça me fait plaisir, je lis tous vos commentaires, j'essaie de vous répondre à tous, c'est vraiment très cool, ciao !